Isabelle Pinte, bienvenue pour ce 11e épisode en compagnie de notre petite famille Goom. Donc on n'a plus Gudule, mais on a ici notre cher Berk qui va être donc notre héritier. Je vous cacherai pas qu'on n'a toujours pas de petit mari pour notre chère Mathilda, qui elle va devoir partir vu que ce ne sera pas notre héritière. Donc on va essayer, vu que c'est encore le jour où notre petit Berk a eu son anniversaire, on va essayer de vite fait la mettre en couple et ensuite de la virer. Puisqu'on peut plus la garder. Voilà. Donc, on va l'inviter directement sur le terrain. Maxime va arriver. Excellente nouvelle. Je vais demander à Berk de s'occuper un peu du jardin, ce serait bien. Il est en train de mourir, ce jardin. Bon, il est où notre ami? Il est là. Invité à entrer. Voilà. Vas-y, Mathilda, on compte sur toi. Tu dois répandre les gènes, boum. C'est moi ou elle est un petit peu pris, là, dernièrement? En grandissant, elle a peut-être un peu grossi. Ou alors elle est déjà enceinte, en fait, on s'en est juste pas rendu compte. Enlacée gentiment, parce qu'elle veut déjà lui embrasser la main et tout, mais on n'a rien fait de très romantique avec lui, hein. Il accepterait pas, je pense. Exprimer son admiration, voilà. Est-ce qu'il va voir où on veut en venir? Je ne sais pas, mais ça serait bien. Ok, est-ce qu'on essaye de le draguer ou pas? Demander si la personne est célibataire, déjà. Et ensuite, on lui offre une rose, peut-être? Ah, il est malveillant, décidément. C'est un trait qui va perdurer dans la famille, hein. Alors, comment le prend-il? Il a l'air d'aimer, il a l'air d'aimer. Qui a dit que les hommes n'aimaient pas les fleurs? Hein? Parler de la température chaude. Et on parle pas de l'extérieur, hein. Embrasser les mains. Est-ce qu'il va accepter sa petite embrassade, là? Oui, mais voilà. Parfait. Oh, elle est trop douée, cette Mathilda. Tout le monde tombe sous son charme. Il est enjôleur, en plus. On va le draguer. L'enlacer, avouer notre attirance. Est-ce qu'on essaierait de l'embrasser sous le gui? J'ai envie de voir. Non, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il m'annule mes interactions là? Ça m'énerve. Premier baiser, on va essayer tout de suite, direct. Pourquoi vous montez? Ah, mais oui, ils veulent être plus proches des chambres. Oui, je comprends tout à fait. On voit tous dans quel sens ça va ici. Oui, ils s'embrassent. Regardez-moi cette petite tête là. Voilà, ça c'est une affaire qui roule. Lui est très enjôleur, nous on est juste enjôleuse, mais ça devrait suffire. Prendre une pause sexy, murmurer suavement. Ah non, il y a un truc qui s'est mal passé là. Ah, on peut faire crac-crac, nickel. On va peut-être essayer de faire un bébé direct. Il a l'air d'être ok, hein, super. Allez-y mes enfants, faites ça bien. Tiens, pourquoi j'ai pas de musique? J'ai pas enlevé la musique pourtant, les options. Étonnant, étonnant. C'est pas grave, ils font ça dans le silence. Ah, non, il entre au bon moment. Ah voilà, on a la musique. Tu vas un peu te divertir, toi? Tu vas jouer, voilà. Oh, tu pourrais être un... Ah non, putain, c'est... Faut payer, non. Jouer à un sport incroyable, voilà. Toi, tu vas aller faire un test directement. Test de grossesse. Alors, oui, voilà. Les gènes Goom, décidément, sont ultra puissants. Nickel, voilà. On va la faire déménager. On va peut-être les faire emménager ensemble, s'il y a déjà moyen. Voilà, demander de vivre ensemble. Hop, et elle va avec lui. Elle va habiter donc à San Michino, je ne sais pas où. Et voilà, nous sommes seuls dans notre chambre d'enfant. Bon, en fait, on n'est pas tout à fait tout seul vu que Maxime est toujours là dans la chambre, mais il va partir. Faudrait peut-être qu'on s'occupe un peu de cette maison aussi, hein. Je me demande si on vendrait pas d'ailleurs tout ce qu'il y a dans les chambres et qui ne nous servent à rien pour le moment. Style ça, ça fait 80, c'est bien. Ça, ça fait 100, super. On va également vendre ce lit vu qu'il ne nous sert à rien pour le moment. Ces petites bougies aussi, ça, est-ce que ça coûte quelque chose? Non, on va vendre quand même parce que c'est quand même moche, hein. Voilà. On n'a plus besoin de ce miroir, donc on va laisser ça, voilà. Est-ce qu'on aurait de quoi de faire une petite salle à manger ou un petit salon? Ce serait bien d'avoir ça, hein. Avec 10 000, on pourrait se faire quelque chose de vraiment sympa. On va voir un peu dans la suite de l'épisode. Gudule, félicitations pour cet emploi intéressant, je crois qu'il sera parfait pour toi. C'est marrant, elle a une drôle de tête en fantôme. Hein. Bon, cette fois-ci, tous nos arbres ici sont morts, donc on va tout jeter. Il a glissé, j'adore. Oula, voilà, encore une fois. Boue partout. Glisser dans une flaque de boue implique de se retrouver avec de la boue partout, vraiment partout. Prendre une douche serait peut-être une bonne idée, mais enfin... Voilà, le pauvre. Ça commence bien, hein, sa petite vie de célibataire tout seul chez lui. On va peut-être essayer de réparer notre salle de bain aussi, hein. Bon, Maxime, est-ce que tu veux bien rentrer avec ta petite amie, qui est notre sœur, en l'occurrence? On va réparer. Pars, s'il te plaît. Demandez de partir, voilà. Tiens, on peut faire un truc. Présentation polie. Oh oui, on va se présenter poliment quand même. Tiens, ça, il y a eu un truc brillant, c'était étonnant. Politesse maîtrisée, ayant appris les bonnes manières, chez lui, Berk sait se montrer poli lorsqu'il se présente. Oh. On augmente notre charisme avec ça, c'est bien. On va un peu se nourrir maintenant. Ça va, cette fois-ci on n'est pas tombé dans la boue. Alors, regardons un petit peu notre horaire. On travaille dans 12 heures. On doit jouer aux jeux vidéo, c'est tout juste commencé, on va faire ça. Faudrait qu'on se trouve une femme aussi après.
Bon Maxime, s'il te plaît, pars maintenant. Demandez de partir, voilà. On a effectué à 50% notre tâche du jour. 75. Zut, il a arrêté. Vas-y, recommence. Jouer. Et puis il va aller dormir dans la belle chambre de sa maman. Parce que oui, elle est quand même bien plus belle. Oh tiens, un fantôme. C'est Gudule. C'est Gudule. Bonjour Gudule. Demandez comment s'est passée la journée, voilà. Ah non, on s'écroule. Bon, il rend honneur à sa maman, voilà, qui s'écroulait non-stop, surtout dans les premiers épisodes. Comme au bon vieux temps, j'apprécie d'être près de ma famille. Oui, bon, elle est pas tout à fait là, ta famille, mais oui. Il est trop fatigué et je n'ai pas encore l'option pour la faire emménager, donc on va aller faire dodo et on s'occupera d'elle une autre fois. De toute façon, on n'est pas désespéré encore pour le moment. On a quand même de l'argent et on devrait bientôt travailler et du coup se faire un peu plus d'argent encore. Sauf qu'on n'est pas à 100% ici, mince. On va jouer dès qu'il est plus ou moins bon au niveau du dodo. Et c'est la fête du feu! Qu'est-ce que j'avais prévu de faire? Un barbecue, des boissons, divertissement aquatique, et invité à faire une fête primitive. Je sais pas si on aura l'occasion de le faire cette fois-ci, parce qu'il est un peu seul, il n'a pas d'amis d'ailleurs. Ah si, il est un peu ami avec Maxime, cool. Il y a juste Bathilda et Maxime. Ah, le lapin des fleurs aussi. Il peut faire la connaissance de Maxime, son beau-frère. C'est bien, il est très famille, hein, notre petit Berk. Dodo, l'enfant dormira bien vite. Le travail de Berk commence dans environ une heure. Actuellement, il fait très chaud. Ok, il va travailler, hop. Révolutionner les concepts, réduit la performance au travail. Bah, on va pas faire ça alors. Et notre signe travail dur, et bien, ok, c'est très bien. Mince, toutes nos plantes meurent. Demande d'avis, Berk doit donner une évaluation sévère à un collègue. Comment doit-il procéder? Être direct et honnête, ajouter des compliments. Bah, être direct et honnête. Berk va voir son collègue et lui parle très honnêtement. Il élabore également avec lui un plan pour corriger le problème. Le patron de Berk apprécie sa capacité à bien travailler avec le reste de l'équipe. Gain de performance, moyen. Oh, pour une fois que ça va bien. On dit pas non, hein. Alors, où on en est? Notre performance au travail est du coup bonne. Je pense pas qu'on aura une promotion cette fois-ci. Quoique, ah, elle est déjà excellente. Vas-y Berk, tu peux le faire. Sois meilleur que ta maman qui mettait des jours et des jours pour avoir une promotion. Je la critique pas, hein, sinon, mais bon, on avait... peut-être pas choisi la meilleure carrière pour faire de l'argent. Allez, est-ce qu'on peut avoir notre promotion? Allez, allez. Oui, c'est bon, on l'aura. Oh. Mais qu'est-ce qu'il est doué, ce petit Berk? On l'aime vraiment. Voilà. Berk a été promu assurance qualité. Il gagnera désormais 7 simflouz de plus par heure, soit 38 simflouz de l'heure au total. Il a également reçu en bonus 375 simflouz, machine à café automatique, acier inoxydable. Sa prochaine journée de travail commence vendredi à 10h et il termine vers 19h. Ok. On va aller vendre notre petite machine à café déjà, qui coûte 210, ça va, c'est raisonnable. Bathilda Goum se demande si je veux venir chez elle. Bah, on va aller voir son appartement, oui. Notre petite sœur, elle nous manque déjà, hein, Bathilda, voilà. On va voir à quel point elle est grosse aussi, vu qu'elle est en enceinte, hein. Voilà. Oh, regardez, il y a déjà le petit berceau qui est prévu et tout. Ah, j'adore cet appartement. Je trouve que c'est bien l'un des seuls qui est plutôt sympa, même avant rénovation. Bon, il y a moyen de faire mieux, mais c'est déjà sympa. Il voulait faire la connaissance de Maxime, on va faire ça. Faire connaissance, voilà. Regardez comme elle est grosse. Non, mais sérieux, elle attendait quadriplé ou c'est quoi? Bathilda, elle au moins, elle a un salon. Nous, on a rien de tout ça. Regardez la petite famille. Les survivants de la famille Goum. Bon, ils se ressemblent pas du tout, hein. Regardez-moi ce nez. Super amitié fraternelle. Oui, mais attends, j'ai pas vu. Super amitié fraternelle, origine, relation fantastique avec un frère ou une sœur, alliée avec ou sans lien de sang. Ah, cool. Je savais même pas qu'on avait ce trait-là. Bon, on va rentrer chez nous, on est un peu fatigué. On était bien content d'avoir vu notre famille, mais on doit rentrer chez nous, hein. On travaille dans 14h, ok. On va peut-être essayer de s'occuper de notre jardin avant que tout ne meure définitivement. Si au moins on pouvait faire venir Gudule, ce serait bien, elle pourrait s'occuper à nouveau de son jardin. Ça nous arrangerait bien, c'est vrai. Est-ce qu'elle serait pas dans le coin par hasard? Non. Le jour férié de la fête du feu était horrible pour notre petit Berk. Ben désolé mon vieux, mais on a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait, c'est-à-dire rien. On va un peu vendre tout ce qu'on a dans notre inventaire, ce serait sympa. Ça nous faisait pas mal d'argent en plus quand même. Ok, on doit aller travailler. Et on travaille dur, comme d'habitude. On augmente relativement vite. Délai imminent. Berk a un délai très important qui approche et doit absolument trouver un moyen de le respecter. Que doit-il faire? Se cacher dans un placard? Demander de l'aide. Mais demande de l'aide, je pense que ça fonctionnera mieux. Berk demande de l'aide à un de ses collègues préférés qui accepte volontiers car il sait que Berk est quelqu'un de responsable. Grâce à ce coup de main, le travail est fait dans les temps et les deux sims sont ravis. Gain de performance moyenne. On est tellement doués pour le moment. J'ai un de ces bols pour une fois. Ça fait plaisir hein, quand la roue tourne, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on aurait déjà une promotion pour cette fin de journée-ci? Ce serait incroyable. Ce serait inespéré. Bon, on est comme au niveau 2, mais quand même. Bathilda Goum nous appelle. Est-ce qu'on veut discuter en plein boulot? Non, je ne crois pas. Désolée, Bathilda. On va avoir une promotion. Tu comprends? Allez, dis-moi qu'on aurait une promotion. Ce serait tellement excellent. Oui, on va l'avoir. On va l'avoir. Une promotion par jour, ce serait génial.
Excellent. Berk a été promu forçat du code. Il gagnera désormais 9 simflous de plus par heure, soit 47 simflous de l'heure au total. Il a également reçu en bonus 506 simflous et un disque dur d'ordinateur. Wouh! Combien ça coûte ça? 115. C'est un peu moins que l'autre, hein. Je suis déçu. Très déçu. Bon, je pense qu'on va devoir faire des rénovations. Enfin, pas devoir, on a envie de faire des rénovations. Et on doit augmenter notre niveau de programmation. Ok. Je me demande si je peux vendre mes plantes mortes, si ça me rapporte quelque chose. Non. Elles sont mortes, hein. Bah ouais. Nul. Bon, on va les supprimer. Voilà, on a jeté tout ce qui était mort. Ensuite, on va peut-être s'occuper de notre petit salon. Ouais, on va faire le salon. Ok, voici donc le salon où j'ai fait des tons assez bleus, comme d'habitude. Bleu plus foncé, évidemment, que dans la cuisine. Où là, j'avais mis du bleu clair. Donc voilà, c'est plutôt simple, plutôt clair. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-moi un peu en commentaire. Voilà, on est sur quelque chose de très classique. On peut le dire. Et la salle à manger, elle n'a toujours pas changé. Voilà! J'ai un peu changé aussi le parquet, je me suis dit que ça donnait mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. La maison commence à ressembler à quelque chose, ça fait plaisir. Bon, divertissement, on n'est pas au top. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer au sport incroyable, c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Tiens, pourquoi je peux pas avoir accès à ma... Un sim vieillit, nous sommes en train de vieillir. Déjà? Mais non, il y a quelqu'un qui vieillit sur notre terrain et qui est parti. Bon, on a atteint le niveau 4 de la compétence jeu vidéo, c'est excellent. On travaille dans combien de temps? Dans 3 jours. Ah, c'est nul. Ah, je déteste ça quand on a des longs jours de congé. On va pas avoir d'argent vite fait. Ben, je pense qu'on profiterait bien de ce petit week-end pour se trouver une petite femme, hein, non? Oh, vous avez vu? Oh, c'était trop beau. Mais normalement, ici, on a une petite barmaid qui est très sexy, hein. On l'avait repérée, hein. Est-ce qu'on connaît d'autres filles belles, à part notre sœur, évidemment, qui est magnifique? Non. Non, 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 pas du tout. Oh, un fantôme. Ah, mais c'est notre petit Brandt. Mais nous, on veut Gudule. Ok, on a fini de manger. Et on va aller nettoyer cette salle de bain. Regardez-moi cette baignoire. C'est répugnant, c'est répugnant. Mais cette famille Goom est répugnante. Et puis on va aller faire dodo. Bagarre de quartier. J'avais jamais vu ça. C'est le moment d'améliorer votre crochet du droit. La journée d'aujourd'hui est consacrée aux bagarres avec d'autres Sims. Ouh. Je sais pas si on peut appeler ça une fête, hein. Mais moi, je respecte beaucoup les traditions, donc d'office on va le faire. Ok, on se lève. Et on va aller tabasser quelqu'un. Qui sera le malheureux? Y a des gens par ici? Il n'y a personne. Cette ville est complètement vide. J'irais peut-être quand même bien voir au bar s'il y a des gens après. Et je pense qu'on va amener notre petite famille, hein. Oui, hein. Ok, tout le monde est venu avec nous, on est ultra populaire, et malheureusement, ce n'est pas la sim qu'on attendait. Oh, la déception. Va falloir qu'on attende ici toute la journée, en espérant qu'il y ait une belle femme qui passe. Ce serait triste, très triste. Oh oui, on va se battre avec notre... Non, on va se battre avec un inconnu, ce sera lui. Ah non, on peut pas. Alors on va quand même se battre avec lui. Berk participe à sa première bagarre. Qui va gagner? Ouh, Berk a gagné, mais tu es doué mon petit. Confiant, triomphant, et gonflé à bloc après être sorti d'une bagarre intense. Ouh. Mais ça va en plus, ils ont même pas perdu d'amitié, c'est bien ça. Enfin, je crois pas, je ne sais pas. Bon, il n'y a pas de femme dans le coin. Peut-être que si on allait au phare, allez au phare. Alors, est-ce qu'il y a plus de monde? Oh, il y a une femme, il y a une femme, il y a une femme, je suppose. À quoi ressemble-t-elle? Hein. Non mais, on va faire pire que bien avec elle, hein. Bon allez, on désespère pas. Est-ce qu'il y a d'autres gens? Non. Oh là. Bon, si au moins il y avait un PC, ce serait sympa. Oui, il y en a un. Comme ça, on va pouvoir s'entraîner à programmer. Il y a personne d'autre dans le coin. Hein. Oh, si, là, il y a une petite Sim7. Ça a l'air d'être une vieille. Mais enfin, il y a que des vieilles dans ce quartier. C'est quoi ce délire? Oh, j'avais jamais vu ce coin-là. Mais c'est trop mignon. Mais c'est un cimetière. Donc c'est mignon. Oh, regardez ça, il est complètement à l'abandon. Mais c'est trop bien comme endroit. Oh, ici, montre-nous ta tête. Ah, mais pourquoi t'as des lunettes? On voit rien comme ça. Hein. Elle est pas mal, mais je suis sûre qu'on pourrait avoir mieux, hein. Oh, et elle? Enfin, mais enlevez vos lunettes. Demandez à avoir une tenue... Allez, la tenue quotidienne. Ça a l'air d'être une adulte, en fait. Oui, c'est une adulte, pas une jeune adulte. Mais elle a un truc sympa, quand même, hein. Oh, moyen. J'arrive pas à me décider. Quoi qu'on va quand même se présenter poliment aussi. Comme ça, on l'aura en réserve. Et puis, on fera notre choix. Oh, ici, encore une. Non. Oh, et elle. Oh, elle est belle aussi, elle. Présentation polie. Je pense que je préfère celle-là. Dites-moi, vous préférez laquelle? La brune? Oh, attendez, celle-ci avec les cheveux noirs, là. Oh. Oh, elle est trop belle aussi, hein. Présentation polie. Je vais pas savoir me décider, ça va être horrible. Ok, alors, maintenant, il va falloir vous décider, les gars. Parce que c'est pas moi qui vais choisir. C'est vous qui allez choisir, là. Prochaine pièce rapportée de la famille Goom. Alors, nous avons donc ici, quel est son nom? Navia, rousse. Ou alors, nous avons Amélie, brune. Ou alors, nous avons Paris, qui est trop belle. Beaucoup trop belle. Je pense que je préfère Paris. Je sais pas. Et vous?
dites-moi un peu. On a le choix, on a Amélie, Paris ou Navia. Et c'est ici que l'on se quitte pour ce 11e épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me laisser un petit pouce en l'air. Et on se retrouve bientôt, j'espère, pour un autre épisode de Génération Leader. Et évidemment, du Change, Vampire de Cimetière. Bon, je vous cacherai pas que la vidéo FAQ donc aurait dû être prête déjà il y a un petit moment. Mais voilà, j'ai repris les cours et c'est hyper prenant. Donc j'ai presque pas de temps. Donc j'essaye de vous préparer ça au plus vite. Mais bon, je suis déjà en retard de 200 abonnés, donc hein. Je suis très très en retard. Enfin, j'essaierai de vous faire des vidéos toujours assez régulièrement, mais bon, même une par semaine, ça va peut-être être compliqué. Mais je vais essayer quand même, au moins une par semaine, au moins. Allez, on se retrouve peut-être cette semaine encore, ou alors la semaine prochaine. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner.